Bonjour, Michou Pachouf. Nous allons réaliser un documentaire sur votre vie. Michou Pachouf, vous avez travaillé pour Monsieur Jo dans le passé. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien voilà, les choupa-choups, c'est fini. La seule drogue que je m'octroie encore un peu, c'est le déca, avec l'édulcorant. J'ai les copines à côté qui peuvent fumer. Moi, qu'est-ce que tu veux? J'ai eu tous les vices, j'ai tout connu, à cause d'un salopard. Hein? Qui m'a embrigadé, moi, la pure petite jeune fille que j'étais. Vous avez Et maintenant, je suis une vieille. Une connu. vieille ourdie. Vous avez Oh! connu quand l'amour, il y a quel âge? Ah, ben, j'étais tout fraîche, toute pure, sortie de l'œuf. Hein? Belle, pimpante. Il a compris le filon que ça pouvait représenter. Fait pas peur, Regarde un peu mes copines, elles n'en sont pas sorties encore. Tu as vu un peu ce qu'elles sont devenues? Mais moi, je suis vieille. Oui, mais Michou, on avait quand même des bons moments. Ah ben, maintenant, je comprends. Là, maintenant, on est en Je vacances. comprends. On a toujours notre carte. On a toujours notre carte. Il me donnait 1% sur tous mes bénéfices. Et qui c'est qui travaillait tant qu'il pouvait, que je marchais entre parenthèses? C'était moi. Oui, mais on a eu des petits moments, des fois. Hein. Ah oui, hein. Mais la rouste qui suivait après, quand il s'en apercevait. Eh oui. Alors? Eh oui. Hein? L'arnica, ça marchait. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh, on s'est quand même jamais piqué. Hein? Non, on était piqué. Voilà, on serait venu piquer. Hein? Si on n'avait pas eu ses vacances à Rosace. Eh oui, c'est merveilleux. Tu crois, on te rajeunit. Hein? Voilà. C'est prédestiné d'abord. Oui. Monte sur le roi. Hein? Voilà. Eh ben. Et pour Monsieur Jo, alors vous continuez de le revoir ou pas? Non. Qu'il aille en galère, celui-là. Je ne veux plus en entendre parler. Oh, puis il y a les glaces qu'il a maintenant. Non, puis il a fondé une famille, tout, et il ne m'a pas regardé à moi. Alors ça, je lui pardonne pas. Et on disait de vous, durant toute votre carrière, que votre langue ne vous servait pas qu'à coller des timbres. Qu'en est-il aujourd'hui? On faisait ce qu'on pouvait, mais à l'époque, heureusement pour moi, il n'y avait pas le sida. Alors, c'était sans cellophane. Maintenant, eh ben, il faut le cellophane. Olida, vous connaissez? Un petit peu. Eh bien, on l'a employé. Voilà. Toujours cellophane. Eh oui, le saucisson, il a plus sa bonne peau. Ah non, c'est fini. C'est fini. Le reste avec. Le reste avec. Mais j'en suis très bien. J'ai pris quelques kilos, mais j'en ai rien à fiche. Hein? Au contraire, je me suis épanouie. Vous avez une devise aujourd'hui? Oui. Rien foutre. Surtout du foutre. Non, rien. Rien. Rien par le foutre. Voilà. Ça vous convient, monsieur? Vous savez tout? Hein? Vous savez tout? Si vous avez... Et elle, ma copine, elle n'a rien dit là. Pourtant, c'était une active. Hein? Votre carrière a commencé à quel âge, ça madame? Ça s'en souvient plus. Hein? Votre carrière a commencé à quel âge, madame? À 14 ans. À 14 ans? Oh, pardon. Si vous pouvez vous exprimer ainsi, c'est ah, le cas de oui, le dire. Alors là, c'était. Putain! C'est le cri du cœur, hein? Ma mère m'a dit, si je peux aller travailler. Et les prix étaient abordables? Oh, pas trop à l'époque. Hein. Et maintenant, encore moins. On m'a dit qu'à l'époque, on pouvait faire du troc, par exemple. Pour une passe, on avait un poulet, ou réciproquement. On avait plutôt les poulets à nos Oui, cousses. Mais j'ai jamais pratiqué ce mode-là. C'est fait. Méthode. À vos souhaits, madame. Fait. Et vous, très cher, très très cher. Votre passe est tumultueux. Moi, c'est comme Pichou, hein? Choupa-choup, s'il te plaît. Oui, parce que c'est des choupa-choup, sucé trois fois à cause de la couleur. Et voilà. Hein? Après, ça se décolore. Hein? Ça, c'est... Oui, mais... c'est la même situation. C'est quoi qui se décolore? Qu'est-ce que tu veux? Nous, c'est la même époque. Hein? Alors... Un Mac adorable? Un magma adorable. Ah oui, tu sais, les macros, il y en a toujours eu. Hein? Ouais. Tu me diras que les morues avec, mais enfin, quand même.
c'est parce qu'il sent mieux. Tout dans la mer. Rien ne se perd, tout se régénère. Ah, mais j'ai jamais dit de la mort. Hein? Quand on parle de magma, même pour lui, le Vésuve, il est éteint. Hein? Ah, jusque-là. Ah, pff, c'est rien de le dire. Hein? Ça faisait un moment que ça ne marchait plus, alors. Ah ben, je ne l'ai plus essayé depuis. Hein? Écoutez, je vous remercie pour votre franchise et pour votre sincérité, mesdames. Voilà. Vous êtes un exemple vivant. Pour la société. Non, que les petites ne prennent pas notre exemple. Hein. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais bon, quand même, ce serait bien quand même de faire maintenant des prix abordables. Et bon, parce que franchement, avec la crise, c'est difficile. Non, on verra l'année prochaine quand on reviendra à Rosa. Voilà. Vous comptez faire encore une passe ou deux? Ah non, quand même pas. Peut-être la moitié d'une. Je vous remercie, mesdames. Vous avez. Au revoir. Au revoir. Vous en avez que pour la soirée, là.